Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, chers amis. Faudra que je vais faire deux trois petites choses. Prologue, le chevalier Jedi, l'ordre Jedi traverse une période sombre. L'Empire Sith a anéanti le temple Jedi de Coruscant et massacré de nombreux défenseurs de la République lors de la dernière guerre. Pour rappel, nous sommes entre 3 et 4 000 ans avant l'ère des films. Les Jedi qui ont survécu se sont réfugiés sur Titon. Bon, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Je vais vérifier juste un petit truc, chers amis. Alors voilà, c'est ça. Normalement, ici, je devrais pouvoir trouver un petit truc rapidement. Fond sonore. Voilà, ce qui me permet, moi... Ah bah, bien. Pia, pia, bien. Peut-être baisser un poil le son. Volume principal. Par là, Simone. Crac, parce que j'ai l'impression que ça me semble fort dans mes oreilles. Ok, nous en étions ici. Ok, je voulais voir, vous voyez, ici on avait donc cette quête là, au niveau de la map, c'est souvent ce bouton là ou ce bouton là, c'est ça. Ici vous voyez, la première leçon, trouver les élèves disparus. Peut-être aller voir ça. Crac. Avant de nous élancer ailleurs. Bonjour, je suis un Jedi. Je hais les Jedi. C'est bon, bonjour, voilà, c'est fait, problème résolu. Normalement j'avais mis le loot automatique, parfait, ce qui me fait que là j'ai obtenu des choses. Chargeur rayé, d'accord. Et des crédits, ok, pourquoi pas. Vous êtes nombreux par là les mecs, hein, je veux pas dire, mais bonjour. Boum. On voyait, il y a un gros manque de dynamisme. Hein. Crac, voilà. Mais, bon, c'est dommage. Peut-être il faudrait rajouter un autre style de combat en termes de maniement. Parce que vous voyez le clic droit là qui... Je sais pas ce que je voyais, il y a un symbole différent. D'accord, donc c'est avec le clic droit, c'est classique. Boum. Boum. Voilà, problème résolu encore une fois. Mais rien de bien, comment dire... De bien innovant, je sais pas s'il y a... en termes de préférence... Au niveau de, je sais pas, commande, piège automatique, il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas vraiment de mode, entre guillemets, amélioré, un peu plus récent. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas si je pourrais en fait me remettre. J'ai tellement exécré vis-à-vis de certaines choses. Je sais pas si aujourd'hui je pourrais me remettre à... À World of Warcraft, compte tenu du manque de dynamisme qu'il peut y avoir dans ce... Vous voyez, par exemple, là, je... Hop. Pour une raison que j'ignore, je pouvais pas... Parce que j'avais pas... D'accord, parce que en fait, celui que j'ai verrouillé était trop loin. Ok. Ok, donc on va y être. Ça va être dans une crotte, non? Ou au-dessus? Au-dessus. Ok. Padawan Jeridan et Padawan Menaus et Padawan Avilta. Bonjour les filles. Comment ça va? Comment va-t-il? Il devrait se reposer dans le temple Jedi. Mais si tu veux continuer, je peux l'aider à marcher. Donne-lui le dernier colto s'il le faut. Le combat n'est pas terminé. Bonjour, je suis un Jedi. Hey, quel plaisir de voir un autre Padawan vivant par là. Vous avez de la chance que ces créatures ne vous aient pas encore attrapé. Vous devez être des Padawan disparus. Je cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je le savais. Je savais qu'ils enverraient des secours. Et voilà. Je suis venu chercher la connaissance du code Jedi. Les code Jedi. Ont interrompu notre épreuve. Oh. Je ne me suis jamais battu comme ça de toute ma vie. On l'a tué, mais Jeridan a été grièvement blessé. Il va bien? Est-ce que sa blessure est grave? On va pas les troller non plus, hein. Il ne devrait pas bouger. Ce n'est pas digne d'un Jedi de chercher à se venger et à se battre pendant qu'un homme souffre. C'est ton avis, Menos. Ce n'est pas ce qu'on a décidé. Formation ou pas, ce n'est pas un troupeau de bêtes qui nous empêchera de devenir des Jedi. N'a-t-elle pas raison? Non, elle a tort. Les Jedi n'abandonnent pas, n'est-ce pas? Elle se trompe. Souvenez-vous du code Jedi. Il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. Ça suffit, Menos. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous être utile. Aidez-nous à faire payer les déchiqueteurs. Vous rentrez maintenant. Ah, regardez, il y a le symbole. Vous voyez, le côté obscur, côté clair. Vous rentrez maintenant. Vous suivez une route dangereuse.
Vous et vos amis, vous devez rentrer au camp tant qu'il est encore temps. Mais on est si près du but. Non. Non, c'est faux. Je vois que vous avez une balise de signalisation. Donnez-la nous et dès qu'on aura rassemblé nos affaires, on signalera notre position pour qu'on vienne nous chercher. Parfait. T'es un mec bien. Je t'apprécie. Hop, ok, marchand. Ok. Ok, ok. Gérer votre inventaire, oui, d'accord. Saisir un message, oui, d'accord, je sais. J'ai déjà joué à des MMORPG, merci. Et mon alignement se voit dans mon inventaire. Alors, pas dans mon inventaire, mais dans la fiche personnage. Personnage, c'est pour caractère, voilà, c'est ça. Oh bah dis donc, je suis neutre, hein, je suis pas... Ok. Ok, ok, non mais c'est pas grave, je... C'est pourquoi c'est... D'accord, c'est bleu parce que c'est bleu. Map. Rejoindre Maître Relnex vers la grotte des déchiqueteurs. Sécuriser la grotte des Gnarls. Ouh. Ouh, quand ça me parle comme ça, moi ça me... Ouh. On y va. Avançons. Hein? Je suis déjà à fond. What? T'es sérieux? Le jeu est moche! Réinitialiser! Mais. Le jeu qui veut rester moche! Graphisme? Synchro vertical, nanana. Et. Faut pas se foutre de ma gueule. Voilà. Crac. Que c'est mieux au niveau des ombres? C'est pas mal, effectivement. Oula! C'est un Mac AB. Ok, bon, on va aller voir la grotte des Gnarls. Des Gnarls. Des Gnarls. Moi, j'ai envie de dire Gnarls. Gnarls, pardon. Puissance de force, grade 3 internet, délai de résistance, augmente les dégâts bonus de mêlée, puissance de force, technologie et les soins de la cible de 5% pendant 60 minutes. Ouh. Bah écoute, on est parti. Boom. Bitch, get out the way. Crac. Bien joué, belle parade. Top, tu l'as pas vu venir. Voilà. Introspection, d'accord. Boum. Oh, je te one shot, monsieur. Ah, il a sorti son sabre. Salaud. Crac. Ah bah, je crois qu'il y avait 30 minutes de... Ah non, 30 mètres de portée, 6 secondes de réutilisation. Bah d'accord, je peux l'utiliser tout le temps, en fait. J'ai un bonus constant, en fait. Il ferait mieux de le mettre en passif. Bon, pas besoin d'aller là-bas. Je suis... Ils sont alertés, les ennemis. Boum. Fini. Boum. Voilà. Oh, bonjour. Merci pour ton loot. Tu es fini. Cela t'apprendra. Il y avait un drôle de symbole de fichier. Je ne sais pas pourquoi. Oh mon dieu. Boum. Tu l'as pas vu venir, celui-là. Crac. Oh, dans l'estomac. Oh, c'était méchant, ça. Oh, c'était méchant. Ça, c'était pas gentil comme truc. Niveau 3, gardien Jedi. Oh, mon... J'avais perdu de la santé. Amen, hein. Nosei. Oui, je suis un dieu. J'arrive à pivoter sur moi tout en... Ok, c'est bon. On y retourne. Phase Cheval Jedi. Tout autre réponse ne pourra pas entrer dans cette phase. Oh. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait pas que je... Ah, j'arrive pas à suivre la ligne de... Vous savez, la ligne de l'histoire. Y'a pas un mode sprint? Oh, ça serait tellement... Pour un combat en mode chasseur galactique, nanana, ouvrir la carte de la planète. La 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 la. Y'a pas des secrets, des machins, des bidules, ce serait cool. J'ai cru, l'espace d'un instant, mais non. Mais non, Marcus, dans ta tête. Des chats. Oh mon dieu. Y'a des chats. Oh, y'a des petits. Pourquoi j'attaque la maman et ses petits? Parce qu'ils sont agressifs, Marcus. Bitch, get out the way. Non, le petit symbole, il est... Enfin, le loot, il arrive longtemps après, hein. Je veux pas dire, mais... En fait, ça équivaut au sanglier de World of Warcraft, on est d'accord, hein. Soyons honnêtes, hein. Chasseur des chiqueteurs, non, ça m'intéresse pas au final. Hop, je vais rentrer chez moi.
Et tout va bien se... Qu'est-ce que c'est? Je lui monte dessus. Holocron sud-ouest, d'accord. Les holocrons, c'est ce qu'on devait chercher dans Star Wars, le pouvoir de la... Enfin, le pouvoir de la force. Force Unleashed. Jeune Uxibet, bonjour. Il paraît que t'es pas malin. Ah non, c'est parce que t'es bête, t'es une bestiole. D'accord. Autant pour moi. Donc j'ai une petite session de 3 épisodes à tourner, chers amis, aujourd'hui. Du coup, on va peut-être avancer un peu. Bonjour. Oh, ils ont des sabres. Les sacs. Donnez-moi un. Donne-moi un sabre. Putain. Ils veulent pas me donner de sabre. La 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 la. Ah, il y a des maîtres de sœurs. Des consulaires chevaliers Jedi. Bonjour, l'ami. De partager forme chi. Oh, il y a des positions de combat. Enfin, pas même pas de combat équilibré au sabre laser, augmentant tous les dégâts infligés et réduisant tous les dégâts subis. Ouh, je prends. Balayage de force. Ouh, je prends. Sprint. Putain, il me la faudrait. Niveau 10. Merde. Gardien. Riposte. Ok. On peut s'entraîner à tout moment. Riposte, c'est quoi? D'accord. Ça, c'est le balayage de force. Et la. Alors, ça, c'est le saut. Et au niveau des formes, c'est où? J'ai pas vu. Merde. Contenu, commandement, l'initiative, réunion de l'admission. Non. Pouvoir. Paix comme pouvoir. Voyage rap. Ah bah si j'avais su. Forme. Ah bah d'accord, c'est un, c'est une forme passive. D'accord, je pensais qu'il allait y avoir plusieurs formes différentes. Mais apparemment non, d'accord. Donc en 3, en 1, en 2, d'accord. Saut de force, d'accord. 6, d'accord. En 4, nous avons balayage de force. En 5, nous avons riposte. Nous allons pouvoir aller voir ça tout à l'heure. En combat, Maître Relnex, bonjour. La balise a fonctionné et un speeder de sauvetage est en route. Parfait. Ces padawan vous doivent beaucoup. Vous avez failli à votre tâche. Je sais pas. Vous n'êtes pas très vigilant, pas vrai? Je fais ce que je peux, ni plus ni moins. Vous voulez sûrement reprendre vos épreuves. Merci encore, et que la force soit avec vous. Merci. Mais effectivement, je suis pas convaincu de son, de ce qu'il a fait. Je suis content d'avoir pu le dire, d'ailleurs. Ils sont nuls en fait, les gangs G. Bon, tant pis. Ah oui, il me faudrait absolument un coffre. J'en ai pas, forcément. Non, j'en aurais pas. Tant pis. Du coup, lui, apparemment, il a un autre pouvoir à me donner. Balayage de force. Ouh, c'est stylé. C'est tellement stylé. Frappe, fat. Bah, j'ai pas le temps de voir. Génère 5 points de concentration et inflige... Oh la vache. Brisant la cible. J'ai l'armure des cibles brisées et réduit de 20% pendant 45 secondes. Putain, mais en PVP, ça va être complètement épique ce sort en fait, du coup. Ok. Juste, j'aimerais voir un truc. Je peux pas. Ah putain, je peux pas avoir la même map que j'ai ici. Les gnarles. Speeder, d'accord. Maître. Boîte aux lettres. Alors, les gnarles. D'accord, apparemment je suis dessus, mais je peux pas savoir exactement, d'accord. Je sais pas trop ce que c'est. Sécuriser la grotte. Sécuriser la crotte. Des steampacks, ça pourrait m'intéresser. Tu peux voir ce que t'as. Medipack. Steam de commandement basique, d'accord. J'ai pas l'argent pour, désolé. Je peux vendre automatiquement. Acheter avec des crédits. Il faut 5000 crédits, d'accord, ok. J'ai pas un système de vente automatique. Bon, les objets gris, voilà. Et là, il me faudrait limite un tri, voilà, compact. Parfait. Ok. Et réparer tous les objets au passage. Ok, c'est pas trop mal. Ça se passe plutôt bien au niveau de l'interface, en tout cas, de cette interface-là. Je suis assez convaincu. En termes d'armure légère, armure intermédiaire, il me faudrait des armures lourdes, moi. Apparemment, personne n'en vend. Marchand d'armes. Là, ça pourrait être intéressant. Lame de Challenger. Écoute, d'accord, elle coûte 250 crédits, j'ai pas ce qu'il faut. Ok, on va aller voir le truc des gnarles.
J'aimerais bien pouvoir lui monter dessus et... Luxibet, cool. Et je peux aller ouvrir rapidement l'inventaire. D'accord, et apparemment, vous voyez, bestiaire 186, verrouillage. Ah ah. Vous voyez, il doit y avoir des tas et des tas de choses à gérer dans ce jeu. Génial. Bon, en règle générale, le jeu n'est pas moche. Il souffre un petit peu de vieillesse, clairement. Hein. Mais le jeu n'est pas moche. Vous pouvez voir que visuellement, en tout cas, au niveau des environnements, il y a une portée qui est assez intéressante, une portée de visuel qui est assez intéressante. Autant pour les ennemis, d'ailleurs. Attends, qu'est-ce qui m'affiche encore? Événement de conquête planétaire. Oui, j'y suis pas encore à ça. Enfin, je pense pas. En règle générale, je trouve aussi que, franchement, visuellement, le côté artistique est bien, bien, bien prononcé. Et ça me rappelle véritablement les univers de Star Wars, hein. Faut être honnête, faut pas... Bonjour le chat. Ah, j'ai pas eu le temps. Une voie à dégager. D'accord. D'accord, sélectionner un succès. D'accord, ok. Ok. 10, 50 et 100 déchiqueteurs, se dit-on. Et ils ont des espèces de... D'accord. Eh ben, j'aime bien. C'est un petit peu inutile, je pense, mais... Mais j'aime bien. Donc là, par exemple, je bute ce mec. Boum. Voilà. Tu es mort. Pourquoi il continue à prendre des dégâts? Hop! Frapper les déchiqueteurs. Boum! Ah, là le combat devient beaucoup plus dynamique. Du coup. Crac. Ah non, là je trouve que le combat devient. Enfin, finalement, plus on a de sorts, plus le combat est dynamique. Clairement, là pour le coup. Là on a un truc bizarre. Élément d'histoire. Entrée de codex. Oh, c'est génial, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Bon, de ce côté-là, on a vraiment rien à dire. Hein. En termes de contenu, il y a des choses à faire. Là, vous pouvez voir qu'il me regardait pas. Hop, j'avais riposte. Faut que je pense à mettre riposte. Boum. Ok, on est bon. Là, il y a de l'amélioration en termes de contenu, enfin de vivacité, regardez ça. Hop. Hop, 6. Là, si je peux lui sauter dessus, je peux pas, dommage. Boum, riposte. Crac. Non, non, franchement, là, il y a du plaisir à jouer, là, pour le coup. Le côté lumineux se renforce. D'accord, on a gagné un point en côté lumineux, c'est bien, c'est très très bien. Et on va aller dans la crotte. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'épisode? 18 minutes. On peut commencer. Crac. J'espère que cette série vous plaît, c'est de la découverte. Phase des Jedi, les membres, d'accord, on a pu me le rappeler. Crac, on y va en solo. Comme Anne. Anne solo. Yo l'ami. Tu es tout seul, pas besoin d'utiliser plus de sorts. Hop. Coup fatal. Crac, j'ai raté mon coup fatal, j'ai l'impression. C'est pas grave. Bonjour, dégage. Toi tu te bouffes ma riposte. Boum. Voilà. Bah finalement quand on l'a en main le jeu, ça finit par se... Et par exemple là j'ai choisi de... Ah il y avait du loot lui. Urne gravée. On va quand même jeter un oeil autour des fois qu'il y a des coffres ou des trucs des bidules. Salut les filles. J'attends de pouvoir récupérer mon truc. Bonjour. Ok. Boum. Qu'est-ce que t'avais comme loot? Pièce de vibro-lame. Oh. De vibro-lame. Intéressant. C'est ce que j'ai comme sabre ici à l'heure actuelle. Une vibro-lame, à la manière des mania-gardes, normalement, si je me trompe pas. C'est une arme de mania-garde en règle générale, les armes d'entraînement des Jedi. Et malheureusement, il me semble...
que c'est justement en attaquant l'Empire. Non, je sais pas, je sais pas. Véritablement, je sais pas. Je n'ai pas véritablement le la réponse à cette question. Je préfère ne pas me tromper. Boum. Alors pour une raison que j'ignore, j'ai le sabre bleu parfois. D'accord, alors je pense qu'en fait, la lame bleue, ça veut dire que j'ai l'arrivée d'une... Je suis affiché en haut, c'est cool. je fais mon autopromotion en haut. Non, là je crois que la lame bleue, ça veut simplement dire que j'ai accès à la parade. Pièce de vibro-lame supplémentaire. Donc là, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que je suis en train d'entrer dans une instance. Ce qu'on appelle une instance, hein, une zone d'histoire. Avec une infobulle, d'accord. Ok. Salut les filles. Arrête de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Parce qu'il faut remettre de l'ordre. De l'ordre? Tu es faible. Si vous voulez vous battre, je suis prêt. Vous avez un problème, je vais y remédier, ordure. Et il n'est pas seul. Ordure était un petit peu trop. Tu es... dangereux. Tu as tué mes soldats. D'accord. Oh, bonjour. Ils n'attaquent pas, ils purgent. Et ce n'est que le début. Je vous demande de vous rendre. C'est votre arme. Je ne vous veux pas de mal. L'ancien ordre est mort. Vive le nouvel ordre. D'accord. Voilà, ça t'apprendra. Boum. C'est fini. Mais non, on va mourir. Tout va bien. Que s'est-il passé ? La force soit louée. On va l'appeler Face de Fion. Cet homme n'est pas un Jedi. En tout cas, pas l'un des nôtres. Il dirigeait ses déchiqueteurs. Faut que j'informe. Il appelait les déchiqueteurs ses soldats. Faut que j'informe. Ma mission. Ces natifs n'étaient pas des bêtes stupides. En voilà la preuve. C'est mon rôle d'informer. Le sabre laser. Ça me dit quelque chose. Étrange. Tu as repoussé tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Une vibro-lame, oui. Impressionnant. La force est avec moi. Mon instinct, c'est tout. Il t'a bien aidé. Ce combat est terminé. Mais il ne faut pas que d'autres déchiqueteurs reviennent. Je vais être honnête, jusque-là, les choix de texte, j'avais toujours un truc qui me correspondait. J'ai jamais eu à, encore une fois, j'ai pas encore eu à... Vous savez, à me plaindre des choix de texte qui étaient demandés, qui étaient donnés. Je suis assez content d'ailleurs. Oh là, trop de tremblements. Tremblements! Tremblements! Tremblements de terre! Non! Bonjour, d'une main, mec, hein. Voilà qui devrait les retenir. Oui? Comment avez-vous fait? Je veux apprendre à faire ça. Encore quelques dizaines d'années d'entraînement. Pas sans aucun problème. Pas encore. Je vais t'emmener dans un centre médical. Parfait. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire oui. Ton rapport au Conseil Jedi. Bien. Vous pouvez m'aiguiller? Je viens d'arriver sur Titon. Où dois-je aller? Suis le chemin menant à l'extérieur de cette vallée. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. Parfait. Merci, maître. Merci, maître. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, les portraits, d'accord. Plus l'insigne est complexe, plus l'adversaire est puissant. D'accord. D'accord. Ok, cool. Merci. J'aurais aimé avoir du loot, j'aurais aimé avoir un sabre, j'aurais aimé plein de choses. Mais apparemment, quoi que j'aime, je n'y ai pas accès. Pas grave. On continue. En tout cas, jusque-là, c'est vraiment cool. Joueur contre environnement, c'est cool. Passer sur une instance JCJ, non, ça m'intéresse pas. Je préfère le JCJ, le JCE au JCJ. Hein. Le PVE au PVP.
surtout dans ce genre de jeu où je connais une partie, certaines parties de l'histoire. Et où je suis capable de créer même une histoire. Donc bon, non. Jusque là, je suis, en termes de lore, en termes de fond, je suis extrêmement convaincu par le jeu. Je dois reconnaître qu'à une époque, j'avais l'impression que le jeu était moins dynamique que ça. Mais là, l'apport de toutes les compétences l'a rendu un peu plus dynamique. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on doit rester pratiquement immobile tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste un MMO et je trouve pas... Alors, map. On va reprendre la route, on va repartir vers le sud. Voilà, d'accord. Ok. On va rejoindre la route d'abord et puis après on va se laisser là, les amis. On va passer par là pour essayer de nous faire agresser sauvagement. La 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 la. Ok. Oula. Des chachas. Chacha Delila. C'est une youtubeuse qui a fait une chanson, qui a fait plusieurs chansons, qui a essayé de faire du doublage. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle en est d'ailleurs depuis le temps, ça fait longtemps que j'ai pas jeté un œil à ce qu'elle faisait. Voilà, c'est bien ça. Boum. Parfait, c'est parti. Un petit coup de loot. Et on est bon. On va rejoindre la route. La route. On est dessus. Ok. Salut Simone. Tu es mouru. Toi aussi. Ok, parfait. Je rejoins le pont, ensuite on partira vers le sud et on se laissera pour cet épisode. En tout cas, on aura fait l'instant dans l'épisode, je suis assez content d'ailleurs de l'avoir fait. Je suis pas du tout déçu du jeu, en tout cas, jusque là. Dommage, j'ai cru qu'on pourrait peut-être mettre augmenter un petit peu notre capacité de stockage. Malheureusement, non. Il faut 5000, on est à 220. C'est pas encore ça, comme on dit. D'accord. Ah, vous voyez, quand on se déplace en même temps, il met la map en... Ah, c'est bien fait. C'est bien, c'est très très bien. C'est par là? Non, c'est un peu plus haut. Ah oui, il faut que je repasse dans le... D'accord, faut que je repasse dans le camp. Ou presque. Vous voyez, c'est le chemin qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Ok. Le vendeur d'armes avec son gros drapeau d'armes. J'aurais bien aimé une armure lourde, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. En let's play découverte sur Star Wars The Old Republic, le MMO free to play avec abonnement optionnel. Voilà, salut. Je précise quand même un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que je le précise pas forcément en début d'épisode, je devrais. Je vais le faire, prochain épisode je le fais. Salut.